chers camarades, travailleuses et travailleurs, en ce jour mémorable du 3 octobre 2020, permettez-nous, au nom de la Fédération syndicale mondiale, de vous souhaiter un heureux anniversaire de combat du mouvement ouvrier international, le plus ancien et le plus solidement enraciné à travers les 5 continents, avec plus de 105 millions de membres à ce jour. Nous avons dit la Fédération syndicale mondiale. Contre vents et marées des impérialistes pour étouffer la lutte ouvrière, la FSM a tenu et est devenue de plus en plus forte avec une supériorité morale, idéologique et politique de ses cadres par rapport aux dirigeants du syndicalisme jaune. 75 ans d'honneur et de dignité, 75 ans de lutte pour la paix et non la guerre, 75 ans de lutte pour la liberté et la juste redistribution des revenus contre l'exploitation de l'homme par l'homme, contre l'esclavagisme, contre le racisme, contre le néocolonialisme. 75 ans de lutte pour un monde épris de paix et de justice. 75 ans de lutte pour l'emploi pour tous, le logement décent pour tous, l'eau et le courant pour tous, l'éducation efficiente et gratuite pour tous, les soins et les santé sûrs et gratuits pour tous. Le 3 octobre, la FSM célèbre les 75 ans depuis sa fondation le 3 octobre 1945 à Paris, en France. Après 75 ans, la FSM poursuit le même chemin intraitable et de manière unitaire de classe internationaliste. L'année que nous traversons, l'année de la célébration militante des 75 ans de la Fédération syndicale mondiale, ont déjà dans l'histoire de la FSM, grâce à la riche action des membres et amis de la FSM aux quatre coins de la planète. La pandémie du coronavirus a peut-être causé des problèmes dans la plupart des pays, mais les syndicats de classe ont lutté de toutes leurs forces et ont réussi à faire échouer dans la pratique la tentative de restreindre les droits et libertés syndicaux. Des mobilisations, des grèves, des événements, des manifestations et des séminaires ont été organisés dans le monde entier, combinant avec succès la lutte pour la santé des peuples avec les 75 ans de vie et d'action de la FSM. Nous avons prouvé et nous continuons à prouver qu'aucun obstacle ne peut freiner notre confiance inébranlable en la lutte pour un monde sans exploitation de l'homme par l'homme. Nous ne vendons pas notre idéologie. 75 ans d'action et toujours dans l'action pour le mieux des peuples et des travailleuses et travailleurs du monde entier, unissons-nous ensemble avec la FSM et nous vaincrons. Travailleurs et peuples unis pour un monde avec justice sociale contre les monopoles et l'impérialisme. Voilà notre mot d'ordre dans la poursuite de notre lutte. Que vive la FSM, que vive les 75 ans d'existence de la FSM. Merci. Okay.